Bonsoir, le président de la République est à New York. Alpha Condé prend part aux travaux du Forum politique de haut niveau pour le développement durable. De quoi s'agit-il? Nous ferons le point dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Et puis c'est la bonne nouvelle de ce soir, le prix du sac de riz ne sera pas revu à la hausse. Malgré le réajustement de celui du carburant à la pompe, c'est le ministre du Commerce qui l'annonce. Nous entendrons Boubacar Barry dans un instant. Nous irons à Manéa. On y était déjà allé et rien ne semble bouger à l'usine de chaussures. Là-bas, les conditions de travail ne s'améliorent pas. Personnel renvoyé, salaire revu à la baisse. Un cocktail important pour aller voir et comprendre ce qui coince. Les travailleurs craignent le pire. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'attention ce soir, ça se passe à New York où se trouve le chef de l'État. Le président Alpha Condé est au sommet de l'ONU. Les travaux sont essentiellement consacrés aux questions du développement durable. Et sur place, le chef de l'État porte la voix de l'Afrique sur la problématique des énergies renouvelables. Regardons ce reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Accélération des objectifs du développement de l'agenda 2030. Le coordinateur en charge de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables a eu l'honneur d'être invité par les Nations Unies pour représenter le continent. Et pour cause, aucun développement n'est possible sans énergie. Ma présence parmi vous traduit mon engagement à échanger avec vous sur les avancées de la mise en œuvre de l'objectif 7 de l'agenda. Les objectifs du programme de développement durable d'horizon 2030 et l'accord climatique sur le changement climatique sont essentiels pour l'avenir juste et équitable du monde et l'énergie en est puissante dans son article 7. Aujourd'hui, nous le savons, c'est plus d'un milliard d'individus qui n'ont pas accès à ce droit élémentaire qui est l'énergie pour vivre normalement. Conscient de cela, les chefs d'État africains ont décidé de parler d'une seule voix en 2015 à Paris lors du COP21. En créant l'initiative pour l'Afrique sur l'énergie renouvelable, l'ARI. En tant que coordonnateur de l'Union africaine pour les énergies, je me dois de rappeler son rôle essentiel pour les objectifs au développement durable d'ici 2030. L'ARI est un effort sans précédent et probablement l'une des plus grandes entreprises conçues par le continent et pour le continent. Elle a l'ambition de produire à partir de sources d'énergie renouvelable un minimum de 10 gigawatts d'ici 2030 et 300 gigawatts à l'horizon 2030. Bénéficiant d'un soutien sans faille de l'Union européenne depuis son transfert, l'ARI est la clé qui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable en Afrique. Avec l'énergie, l'Afrique pourra envisager un avenir réussi et sera le continent de la réussite pour les jeunes et les femmes plus particulièrement. Mesdames, Messieurs, dans le cas contraire, nos jeunes continueront à fuir vers la lumière et malheureusement à mourir en Méditerranée. Cette migration, qui fait la une des actualités dans le monde, est une nouvelle forme d'esclavage. Il est de meilleur monde que chez soi et qu'auprès de soi. Mais faut-il avoir les mêmes droits universels qu'ailleurs et l'énergie est ce droit essentiel qui manque encore à l'Afrique. Avec cette énergie, l'Afrique pourra offrir à sa jeunesse, à ses hommes et à ses femmes la clé de cet avenir meilleur. Mon conseil d'administration, que j'ai l'habitude de préciser, a déjà approuvé 24 programmes et projets d'investissement prioritaires avec une capacité de produire à terme 1,7 gigawatt pour un total de 4 milliards d'investissements prévus. Notez que 2 milliards ont déjà été engagés par les bailleurs de fonds, dont 300 millions d'euros de dons de la Commission européenne. Les affaires de la majorité de ces projets sont en cours. Je constate avec plaisir que l'Union européenne a toujours assisté à nos rencontres, représentées par le commissaire Mimica et par M. Sevan Manservici, afin qu'ensemble nous analysions les différents projets. L'ambition du président de la République de Guinée, coordinateur de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, est bien claire. Ces investissements ont été préparés et proposés avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, l'Agence française de développement, le groupe KfW, la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement, etc. Nous venons d'établir la virgule unité au dernier sommet de l'Union africaine. Donc, notre initiative est aujourd'hui opérationnelle. D'ici la fin de l'été, les 5 régions de l'Afrique auront dans leur consultation afin de travailler à une feuille de route précise devant lever les barrières
et créer les conditions nécessaires à une optimisation du portefeuille de projet. Le conseil d'administration prendra ensuite les mesures idoines pour assurer la mise en œuvre et comme il se doit. Voyez-vous, au-delà du projet de RAI, en tant que cadre stratégique, va promouvoir la mise en place pour les pays de politique et d'incitation audacieuse et innovante. Cela ne pourra se faire qu'avec l'implication du secteur privé, national et international, et du secteur public, à travers le partenariat public-privé pour un objectif gagnant-gagnant. J'ai en Guinée mis en place ce principe pour un méga projet de l'énergie de Barat Kalita de 240 MW et 446 milliards d'investissements. Chers amis, je suis heureux de conclure qu'à travers ces décisions, l'ARI passe fermement de sa phase d'établissement provisoire périodique vers une pleine opérationnalisation et la réalisation de ses objectifs ambitieux visant à soutenir des pays africains à passer à une énergie propre, renouvelable et respectueuse du climat, tout en favorisant un développement économique et durable. Je vous invite donc tous à nous rejoindre afin de co-construire une Afrique plus résiliente face au changement climatique et plus que jamais déterminée à relever le défi d'un accès accéléré et universel en énergie pour atteindre les objectifs de développement durable fixés pour notre continent. L'Afrique prouvera que de son retard, elle peut faire une force en évitant les erreurs commises par les précurseurs. Elle le prouve au quotidien dans le domaine des télécommunications et des nouvelles technologies. Nous pouvons être le continent des énergies propres, protégeant notre planète, puisque tous et construisant ensemble cette quatrième révolution. Je ne serai terminé sans remercier les Nations Unies pour leur rôle dans le développement d'un continent en général et des pays, en particulier le continent africain. Les objectifs au développement durable que nous nous sommes fixés d'ici 2030 nous sont une priorité absolue qui nous concerne car tous nous construisons ensemble l'avenir de nos peuples. L'Afrique veut donc désormais accélérer la réalisation des objectifs de développement durable à travers justement l'énergie, un secteur fondamental pour tout développement. Pendant ce temps, en Guinée, les travaux de construction de Swapiti se poursuivent. L'entrée en production en fin 2019 de ce barrage hydroélectrique qui sortira des eaux du fleuve Concouré devrait couvrir les besoins en électricité du pays et permettre même d'approvisionner certains pays frontaliers via le réseau interconnecté de lignes à haute tension de l'OMVG. Le chantier avance et attire de nombreux curieux, comme le montre ce reportage de Nabi Camara. De l'assainissement et de la salubrité publique, Conakry produit 1200 tonnes d'ordures par jour. Depuis le déclenchement de la campagne d'assainissement de la capitale par le gouvernement Kassouri, plus de 1000 tonnes d'ordures sont transférées à la décharge par jour. La situation inquiète. Cette année encore, il y a des risques assez élevés qu'il y ait éboulement à la décharge. Il faut vraiment sonner la sonnette d'alarme pour expliquer aux uns et aux autres qu'il y a un risque. À tous les niveaux, aux autorités, aux habitants qui sont là, tous les autres Conakrykas pour qu'ils comprennent qu'on est dans une situation qui est risquante. Les deux fois de suite, depuis le début de cette saison hivernale, il y a eu deux éboulements ici. Le premier qui était de moindre importance, le second s'est passé avant-hier et vous avez vu, ça a complètement barré la route qui mène à la décharge. Heureusement, il n'y a pas de perte en vie, même ça s'est passé sur la route. On est en train de prendre les dispositions pour révéler la voie. Donc, on demande à toutes les autorités, à nos concitoyens, vraiment tous nos concitoyens, de prendre les dispositions maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le 21 août dernier, plusieurs riverains de cette décharge qualifiée par les spécialistes comme un dépotoir sauvage d'ordures ont péri lors d'un glissement de terre qui avait indigné l'opinion publique. Face donc à l'ampleur des ordures et aux risques, il y a urgence à agir. Depuis le déclenchement de cette campagne d'assainissement le 9 juin 2018 et au 30 juin, on a pu mobiliser plus de 22 981,5 tonnes d'ordures. Stockées ici au niveau de la décharge. Le problème s'est posé pour la délocalisation. Mais compte tenu que les ordures ne peuvent pas attendre tous les jours, ça se produit, là on est tenu obligé pour le moment de faire en sorte qu'on puisse gérer ici pour pouvoir mettre des ordures. Sinon le problème de délocalisation s'est posé.
Donc on ne sait pas jusqu'à quand que ça va voir le jour. Avant la délocalisation ou le déguerpissement des occupants illégaux, les risques environnementaux sont également à prévenir. Récemment, pour le moment, aucune action de déguerpissement n'a été engagée et le site reste illégalement occupé. Vous l'avez compris, c'était plutôt un reportage sur les risques d'éboulement à la décharge de la minière. Et puis on va parler de l'élevage des caprins. Avec plus de 37% du cheptel continental, l'Afrique de l'Ouest est l'un des principaux bassins d'élevage de cette espèce. Même si les systèmes d'élevage sont surtout traditionnels, c'est le cas en Guinée et comme dans beaucoup de pays de la sous-région, la productivité des élevages caprins est faible. Comment inverser ces tendances? Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a sa petite idée sur le sujet. Fode Camara nous en dit plus. La chèvre rousse de Maradi se caractérise par sa productivité élevée. La moyenne est de 2 à 4 chevreaux par gestation. La femelle peut donner 140 à 150 litres de lait par an. Ces chèvres sont importées du Niger au compte de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. L'acquisition de ces 300 géniteurs est une aubaine pour l'élevage des petits ruminants en Guinée, notamment dans la région de Kankan. Nous remercions le président de la République, depuis le temps colonial, nous sommes dans le monde urbain. Nous promettons de prendre soin de ces chèvres comme nos enfants, afin que tous les Guinéens puissent en profiter. Je remercie les initiateurs pour cet appui. Ces chèvres vont m'aider à prendre en charge mes enfants et d'autres personnes pourront aussi en profiter. La chèvre rousse de Maradi est une source importante de richesse dans les zones rurales, notamment pour les femmes. Au-delà des revenus substantiels qu'elle procure, cette espèce caprine enrichit les ménages ruraux. Elle est surnommée la vache laitière du pauvre. Ces chèvres, si une fois qu'elles sont placées dans de très bonnes conditions, elles peuvent se multiplier très rapidement. Et au niveau de nos élevages, elles peuvent aider les autres éleveurs, puisque nous avons pris des éleveurs leaders à qui on a donné pour qu'eux puissent les entretenir. Une fois que ces chèvres vont se reproduire, ils pourront les distribuer à d'autres éleveurs. Et vous savez aussi que c'est une chèvre qui peut donner jusqu'à une demi-litre de lait par jour, ce qui correspond à la production journalière de la race Ndama. Chez la chèvre rousse de Maradi, 93% des premières reproductions ont lieu avant l'âge de 12 mois. À cause de toutes ces performances, cette variété de chèvre est maintenant très répandue en Afrique de l'Ouest. Je vous l'annonçais en titre, le réajustement du prix du carburant à la pompe crée le débat. Plusieurs citoyens s'interrogent sur le coût des denrées de première nécessité. Le riz, par exemple, qui est consommé par la majorité des populations. Alors c'est officiel, les prix restent inchangés. L'annonce est faite par le ministre du Commerce qui a rencontré les grands importateurs ce mardi. Témoignage en images avec Falilou Diallo. Depuis le réajustement du prix du carburant à la pompe en Guinée, les risques liés à la hausse de certaines denrées de large consommation sont élevés. Mais pour les grands importateurs de riz, les mesures sont déjà prises pour approvisionner le marché local. En tant qu'importateur, lorsque nous faisons le programme, nous prenons toujours en compte des cas de force majeure. Ça peut être des grèves, ça peut être des pannes, ça peut être des retards de bateaux, mais dans notre structure d'importation, dans notre structure de gestion de stock, nous prenons en compte des cas de force majeure. Donc nous avons actuellement assez de riz, nous avons actuellement assez de stock pour pouvoir ravitailler la population jusqu'au mois de décembre. Cet engagement de certains grands importateurs de riz est salué par les autorités du ministère du Commerce. Elles comptent entreprendre des initiatives pour rendre efficace cet engagement sur le terrain. Nous sommes tombés d'accord de mettre en place un cadre technique de travail
pour nous permettre de prendre les dispositions qu'il faut, en tout cas de définir une stratégie globale et nationale pour nous permettre de maîtriser tous les processus liés à l'importation, au stockage, à la commercialisation, à la distribution. Comme on dit en français, qui veut aller loin menace sa même tour, nous voulons aller loin, donc il faudrait que nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour que des situations comme ça, qui sont appelées des cas de force majeure, chaque fois qu'ils se posent, qu'il se trouve qu'on a des solutions intermédiaires qui nous permettent de stabiliser le prix et de permettre à nos populations de pouvoir accéder à cette denrée qui est une denrée de première nécessité. Des agents du ministère du Commerce seront ainsi déployés dans les grands marchés pour concrétiser cet engagement des grands opérateurs et ainsi alléger le panier de la ménagère en cette période de soudure. On va s'arrêter à Mafrenya, une sous-préfecture de Forikaria. Là-bas, les habitants prient pour la relance de projets de développement de leur localité, mais aussi pour la préservation de la paix dans le pays. L'association baptisée Les Fils de Mafrenya a mobilisé un grand nombre de ressortissants du village pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Yaya Sila. À Forikaria, la sous-préfecture de Mafrenya reste un grand grenier. Malgré les perturbations dues au changement climatique, les districts de Kabak et Kakosa sont encore les principaux pourvoyeurs des marchés de Conakry, en riz du pays et fruits comme l'ananas. Si vous voyez aujourd'hui les deux zones qui... Kenya est destiné à un grand avenir. Depuis quelques années, le gouvernement penche sur deux importants projets d'aménagement d'infrastructures. Il a envisagé par le gouvernement un certain nombre de projets qui doivent être réalisés à Kimambro, en commençant par l'aéroport international dont vous avez tous appris sur les ondes. Ensuite, nous avons également le port minier qui doit être installé au niveau de Kimambro, plus précisément à Sengele, dont les travaux également sont déjà engagés. Pour faciliter la réalisation de ces projets dans leur sous-préfecture, la population de Mafrenya implore la grâce divine. Une série de lectures du Saint-Coran est initiée. La protection de l'environnement et la promotion de la paix sont au centre des prières. L'Union pour le développement de Kimambourou planifie des séances de sensibilisation pour mobiliser les autorités et les populations de Mafrenya. Que se passe-t-il vraiment à l'usine de chaussures de Mania? Tout semble s'arrêter là-bas pour certains travailleurs. L'inspecteur général du travail avait même menacé de fermer cette unité si les conditions de traitement des employés n'étaient pas améliorées. C'était le 1er mai dernier, à la faveur de la fête du travail, et notre équipe s'était rendue sur place. Deux mois après, rien de nouveau. Pour certains employés, la vie demeure même plus difficile. C'est le cas de Thérèse Loi, une mère de deux enfants dont le témoignage dans un de nos sujets sur les conditions de travail dans cette usine lui a coûté son boulot. Virée, elle dénonce la galère du personnel avec la décision des patrons de revoir à la baisse les salaires. Pas seulement, une autre équipe revient sur ce dossier pour voir et comprendre ce qui s'y passe. C'est un grand format exclusif de la télévision nationale. Mabinti Lai Soumassila. Thérèse Loua est au bord du gouffre. Renvoyée par son ex-patron, cette jeune femme, mère de deux enfants, ne sait plus à quel sens se vouer. Son crime, avoir témoigné devant nos caméras lors de notre reportage sur les conditions de travail d'une usine de fabrique de chaussures où elle était employée. Après votre départ, un lundi le 31, c'était à 23h, ils m'ont donné mon argent, ils ont tout donné mon argent, ils m'ont dit de partir. Que quand ils auront besoin de moi, ils vont me rappeler. Après, ils vont prendre des nouvelles employés pour les former. Il y a manque d'argent. Et même pour manger, tout ça là, c'est des problèmes tout à fait. Depuis matin, je n'ai même pas préparé, vous voyez. Je n'ai pas préparé. Pire, Thérèse soupçonne d'être cachetée par les administrateurs de l'usine. À l'en croire, sa photo ferait le tour de toutes les autres industries de la sous-préfecture. Après son départ, ses anciens collègues semblent résignés. Leur salaire serait davantage revu à la baisse. Lorsque c'était deux groupes, de 8h à 20h, de 20h à 8h, c'était 30 000 par jour. Maintenant là, c'est de 7h à 15h.
15h à 23h, de 23h à 7h. Donc les salaires sont à 25 000 actuellement. Ils ont enlevé 5 000 de fait que l'heure a été diminuée. Impartialité oblige, nous nous efforçons de vérifier ces informations auprès de l'entreprise. La directrice de l'usine, après maintes hésitations, tente de justifier le renvoi de Thérèse. Toujours parler, lui-même pas comprendre. Toujours malade, laissez maison. Laver habit, laissez maison. Lui-même pas appeler. Le bien, tout le monde entier. Peut-être qu'il y en a quelque chose, lui travaille. Maintenant, lui va bien. Comment arranger là-bas? Quand vous êtes quitté ici, lorsqu'on a commencé le travail, j'ai sommé une fois. Là, je reconnais. Quand l'ordre de paie est arrivé, ils ont enlevé 10 000 dans mon argent, que de fait que j'ai sommé. Donc, à cause de ça, ils ont tiré 10 000 dans mon argent. J'ai prié impossible. Ils n'ont pas pu augmenter les 10 000. Acculée par nos questions, la directrice très volatile s'isole et passe plusieurs coups de fil à la recherche de plus grand soutien. Un homme est au bout du fil. Il martèle être l'inspecteur général du ministère de l'Industrie avant de nous sommer de quitter immédiatement les lieux au risque de nous radier des effectifs de la fonction publique. Mais écoutez, nous venons chercher l'information. S'ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts pour aujourd'hui, on peut revenir. On peut revenir. Mais on est là pour ça. On est venu avec l'homme de l'Église. Ils ont dit que demain, ils peuvent venir faire l'interview. Je dis d'accord. Je ne connais pas, je fais mon travail, monsieur. Ragaillardi, la directrice reste droite dans ses bottes. Nous n'aurons pas alors accès à la zone où se démêlent des ouvriers aux abois. Cette fois-ci, l'on doit se contenter d'un simple sourire moqueur de la patronne. Au ministre, c'est bon? Plus d'un mois après le passage de l'inspecteur général du travail à Manéa, le rêve des ouvriers peine toujours à se concrétiser. Exténué, Yvonne Touré, une autre employée de l'usine, a rendu le tablier. Elle n'est pas prête d'oublier le cauchemar vécu dans cette entreprise. Pour moi, le travail dans cette usine est très contraignant. Si tu t'absentes, on retire 5 000 francs de ton argent, alors tu ne percevras que 20 000 francs par jour. C'est pour cela que j'ai décidé de démissionner. Thérèse et d'autres personnes ont été renvoyées parce qu'ils ont témoigné à vos micros. Pendant le Ramadan, nous mangeons le soir en faisant la monture des chaussures. Nous n'avons même pas eu 5 minutes de pause pour rompre le jeûne. Un jour, un homme dont nous ignorons l'identité est venu ici. Nous étions contents, pensant qu'il était venu nous sauver de la situation. Malheureusement, il est juste rentré et est sorti avec de l'argent. Jusqu'à présent, nous n'avons ni gants, ni chaussures, encore moins de tenues de travail. Les usines de Manéa sont restées fermées quelques jours seulement après l'éphémère mission d'inspection. Depuis, le travail infernal y a repris de plus belle. À quand la fête du calvaire? En attendant, ces ouvriers font l'affaire de leur maître en produisant ces jolies chaussures pour un salaire de 25 000 francs guinéens à chaque coucher du soleil. En Guinée, les travaux de construction de Swapiti se poursuivent. Je vous le disais au début de ce journal, l'entrée en production à fin 2019 de ce barrage hydroélectrique qui sortira des eaux du fleuve Concouré devrait couvrir les besoins en électricité du pays et permettre même d'approvisionner certains pays frontaliers via le réseau interconnecté de lignes à haute tension de l'OMVG. Le chantier avance et attire de nombreux curieux, comme le montre ce reportage de Nabi Camara. Swapiti, le plus grand chantier du président de la République, professeur Alpha Condé. Ici, depuis le 10 janvier dernier, date de la dérivation de l'eau de son lit naturel, le travail se fait sur tous les fronts. Actuellement, il porte sur l'excavation et la protection des talus, rive droite, l'excavation des galeries, rive gauche, le bétonnage du barrage et de l'usine, la finition du pont de 506 mètres de long sur le fleuve, l'assemblage et le montage des conduites des quatre turbines.
La cote atteinte aujourd'hui n'était pas selon le planning prévu pour cette période-là. Vous avez vu aussi qu'au niveau de l'usine, les assemblages et les montages se poursuivent. Tout est organisé pour que septembre 2019 ne soit pas une date ratée. Donc c'est septembre 2019, date à partir de laquelle Soapiti commencera à bonifier, à réguler les eaux pour que Caleta puisse produire 24 sur 24. Déjà, on est à 1 600 000 mètres cubes de béton, ce qui fait 5 fois Caleta fini. Du 31 décembre 2017 au 15 juillet 2018, en termes de volume de travail, les techniciens indiquent qu'ils procèdent à 32 000 mètres cubes d'excavation et 150 000 mètres cubes de béton par mois. Un travail qui suscite de l'admiration et du soutien de tous les Guinéens, comme ces jeunes venus de l'intérieur du pays. La rumeur ou le mensonge avait fini par être une gangrène chez nous, en Haute-Guinée, puisque nous sommes, disons, distants de la capitale. Et ce qui a fait qu'il faut alors diminuer considérablement, pour ne pas dire tuer, n'est-ce pas, ces contre-vérités. De façon concrète, nous comprenons désormais que la Haute-Guinée aura son courant en 2019 et plus précisément en septembre. C'est ce qu'on nous a fait croire et nous le croyons, parce que ce qui est vu suffit pour comprendre que cela sera une réalité, en tout cas, sera une réalité en 2019. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Soapiti ont été lancés le 22 décembre 2015 par le chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé. On termine avec cette brève en image. Sport, football, Oreya de Conakry, WAC de Casablanca. C'était la grande affiche de cet après-midi, un match de poule de la Ligue africaine des champions. Au stade du 28 septembre, les Guinéens n'ont pas fait la différence malgré un beau jeu et des occasions de but. Un but partout, c'est le score final de cette rencontre. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Gekedou, Koundara, Kamsar et Lille. Demain, vous serez avec Hassana Hilal Silla à 13h, 17h et 19h. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir. Les gammes de cuisinières à Ferré. La cuisinière 60 x 90 avec 6 foyers, dont 4 en gaz, 2 électriques, plus un four gaz ou électrique au choix. La cuisinière 4 foyers, full électrique ou full gaz. Et la cuisinière 4 foyers mix, 2 en gaz, 2 électriques, plus un four gaz ou électrique au choix. Les cuisinières Ferré s'allument automatiquement et sont les seules cuisinières au monde dotées d'un four à double chauffage. Découvrez également chez Ferré les cuisinières plateaux. La cuisinière Ferré est montée en Guinée pour une garantie de 2 ans, sans oublier le service après-vente disponible à EDF électronique. Pourquoi avez-vous choisi le groupe scolaire Amadou Silla? C'est une école qui applique ses règles dans toute sa rigueur. Aux sections guinéennes, présentes depuis 1999, se sont ajoutées en 2017 des sections françaises dans le superbe cadre du lycée Simone Veil, situé à Conakry dans le quartier de Kobaya. À la section guinéenne du groupe scolaire Amadou Silla de Kobaya, la devise est « rigueur, efficacité et réussite ». Elle évolue en parfaite harmonie avec la section française. Les installations exceptionnelles comprennent notamment une maternelle moderne de 4 classes, un centre de formation pédagogique, des activités Montessori, une piscine et bien d'autres choses.
au groupe scolaire Amadou Sylla. Nous avons des éminents professeurs qui suivent bien leur pédagogie. Nous avons une bibliothèque, une salle d'art plastique, une salle de musique, une grande salle informatique et un plateau sportif permettant de pratiquer plusieurs activités. Je suis venu chercher l'éducation, l'instruction, le savoir-faire et le savoir-être. Que dire de plus ? Le bonheur pour les enseignants, c'est d'éduquer les élèves dans de bonnes conditions. Au lycée Simone Veil, nous nous donnons les moyens d'honorer cette mission. Au groupe scolaire Amadou Sylla de Kobaya, les sections guinéennes et le lycée Simone Veil. Un autre lycée français. De vos enfants à la fin de leur cycle de formation technique et professionnelle en santé. La ville du Mont-Dixin à Dubreka abrite l'Institut professionnel privé spécialisé en santé El Hadj Mohamed Diawara, si à Dogbéré, derrière le stade préfectoral. Il met à la disposition des futurs élèves, étudiants et parents d'élèves des formations diplômantes en santé, sage-femme, infirmier d'État, technicien de laboratoire, pharmacien, santé communautaire et autres dans des bâtiments de haut standing. Doté d'équipements de dernière génération, l'Institut professionnel de santé El Hadj Mohamed Diawara lie la théorie à la pratique avec son laboratoire de compétences pour le perfectionnement des élèves et étudiants. À l'Institut professionnel El Hadj Mohamed Diawara, c'est étudier pour travailler. Contact 621 30 32 49, 621 61 28 33, 664 37 37 96. Du nouveau, l'Université La Source vous propose son programme de master professionnel. Inscrivez-vous dans les programmes suivants. Master professionnel en gestion.